Zimé Niki. Pascal Irénée Koupaki porte ce nom depuis le mois de février dernier où il a été fait dignitaire de la cour impériale de Niki. C'est justement pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance au roi Chabinaïna III pour ce geste de haute portée à son endroit qu'il a effectué ce déplacement du lundi 14 décembre 2015. J'ai décidé de venir vous rendre visite et saluer toute la cour pour m'avoir honoré en février 2015. Mais pour rendre... Pour vous rendre cette visite, je me suis dit que c'est à Niki que je porterai tous mes attributs de dignité de la cour. Et donc, c'est la première fois aujourd'hui que je porte ce que vous m'avez donné comme attribut. Et je voudrais vous le montrer à nouveau. Parce que je suis bien habillé en tant que... En tant que dignitaire de la cour impériale, merci beaucoup pour m'avoir ainsi honoré. Merci. Cette visite était aussi l'occasion pour le concepteur et leader de la nouvelle conscience d'exposer au roi et à sa cour toutes les activités qu'il a menées depuis son départ du gouvernement du président Boni Yayi. De son périple à travers toutes les communes du Bénin au rassemblement Nouvelle Conscience en passant par la conception de ses livrets bleus. Pascal Koupaki soumettra toutes ces démarches à la bénédiction du roi. Ayant beaucoup appris, je me suis posé à un moment donné certaines questions. Est-ce qu'on peut faire davantage quand on a beaucoup appris à côté d'un grand homme? Ma réponse est oui, on peut faire davantage. On peut se mettre davantage au service de la nation, au service des hommes, au service de toutes les régions du pays. Parce que le Bénin est un seul pays. Et donc, après beaucoup de réflexions, et après avoir écrit quelques livrets pour bien fixer mes idées, on en est arrivé le 28 novembre dernier à mettre en place un rassemblement qui s'appelle Rassemblement Nouvelle Conscience. Et le jour où il y a eu cette assemblée générale avec 6000 délégués venus des 546 arrondissements du Bénin. Le jour où on a eu ce rassemblement, les 6000 délégués ont décidé d'envisager ma candidature à la présidentielle à l'issue du mandat du président Yahya Boni. Donc, après ça, je suis allé à Kétou pour en parler au roi de Kétou. Et j'ai dit au roi de Kétou que la deuxième étape, c'est l'empereur de Niki. Je demande à ce qu'on l'applaudisse au moins une fois. Ce devoir de gratitude est également un symbole pour Pascal Irénée Koupaki. Symbole. Parce que lui-même, chef de collectivité royale à Savalou, connaît mieux l'importance des valeurs de la société traditionnelle. C'est d'ailleurs au nom de ces valeurs et de sa lutte pour une synergie entre la société traditionnelle et celle moderne qu'il inscrit cette visite, après celle qu'il a rendue au roi de Kétou et qu'il conduira ensuite à Savalou. Une option loin d'être un effet du hasard. J'ai préféré faire Niki avant Savalou. À cause des relations séculaires qui ont existé entre le royaume de Niki et le royaume de Savalou. Mon arrière-grand-père étant un prince de haut rang de Savalou, j'ai été désigné par les anciens pour assurer sa succession sur le trône de la collectivité royale à Lomassa-Aïkan. Donc, les relations historiques
y avait eu entre le royaume de Niki et le royaume de Savalou, je suis porteur d'une part de cette histoire. Et si j'ai commencé par Ketou, ce sont mes origines Nago qui m'ont amené à commencer par le royaume de Ketou. Tout en sachant que Bariba et Nago sont des cousins. Donc, je suis en plein dans ma propre histoire. Et donc, c'est tout à fait normal que je vienne voir l'empereur pour qu'il bénisse cette démarche que je viens d'engager et en même temps informer toute la cour impériale de cette ambition que j'ai, non pas pour moi-même, mais pour mes jeunes, pour tout le monde entier. Merci. Merci. Vous en riez soi-même. La manière dont vous conseillez la réalité aussi, c'est comme ça que vous serez aussi. Je voulais dire ici, là. Il y a un gars qui a été mis en place. Il y a un Heureux de recevoir à nouveau Zimeniki et sa délégation dans sa cour, le roi s'est dit fier non seulement de toutes les démarches menées depuis 2 ans par Pascal Irene Kupaki, mais également de son engagement à redonner de l'espoir aux Béninois. Chabi Naïna III bénira ensuite les ambitions de son hôte. Les membres de nos ancêtres bénissent, que le trône de l'empereur bénisse. Ça ira de l'avant. On espère très bien. Les ancêtres vont aider, la cour de Niki va l'aider pour que ça aille de l'avant. Non. Donc au nom de la création de Dieu, donc de ne pas les oublier. Donc, comme vous ne l'avez jamais tourné le dos, une fois que vous serez au pouvoir, de ne pas les oublier, que tout va se réaliser dans la perfection. Donc vous allez voir. Sa Majesté Chabi Naïna III n'a pas manqué de bénir les collaborateurs de Zimeniki et le peuple béninois tout entier. Il a par ailleurs renouvelé ses prières pour que règne toujours la paix dans le pays. Pascal Kupaki, quant à lui, se félicitera de l'appui spirituel de la cour royale. Ah oui, toutes les bénédictions par le temps qui court sont bonnes à prendre. Le roi est dans son rôle, puisque je suis dignitaire de la cour. Si je veux m'engager dans une action de haute importance, c'est tout à fait indiqué de venir lui en parler avant de prendre le chemin de la conquête.